Salut à tous et bienvenue, nous sommes de retour pour du rugby, c'est le Six Nations 2022 et l'équipe de France vient de battre l'Italie. On va en parler assez longuement avec mes collègues Benji, c'est Tovigno et on est premièrement ravis de vous retrouver messieurs dames. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et première question pour toi cher Benjamin, avant de parler de rugby, avant de parler de sport en général, comment vas-tu mon ami? Bah écoute, ça va, on passe une belle après-midi sport, hein. Il y a pas mal d'affiches, il y a du rugby, il y a le tournoi Six Nations et on est heureux, hein, donc c'est cool, on passe des bons moments. Benjamin, heureux, euphorique, que se passe-t-il? On arrive prêt à se poser des questions, mon cher Benjix. Tovigno est un peu dans le brouillard, est-ce qu'il nous entend, Tovigno? C'est pas sûr. Je sais pas, je sais. Bonsoir à tous, je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est vous qui buguez. Problème de connexion un peu à la maison. Si vous m'entendez, je suis très heureux aussi du retour destination, même si je suis un petit peu déçu de ce match, mais on va en reparler, je pense, longuement tous ensemble. Papa Zoom nous parle d'un match poussif, effectivement. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bienvenue, installez-vous. Et donc, une première question, voilà, l'équipe de France qui l'emporte. En off, Benji, tu m'as dit, voilà, j'ai l'impression qu'on fait le même débrief chaque année en parlant de France-Italie. Une victoire, voilà, un peu plus de 30 points. On prend quand même un essai. C'est à peu près la même chose qu'en notamment en 2020, Benji. C'est un match qui. Les matchs suivent et se ressemblent contre l'Hérital. Ouais, les deux équipes nous offrent à peu près toujours les mêmes matchs. Il y a la même physionomie. T'as l'Italie qui tient bien pendant, allez, on va dire une quarantaine de minutes, un petit peu plus l'année dernière, un petit peu moins cette année, et qui après craque petit à petit et qui perd tout, ouais, tout son niveau, tout son rugby et surtout tout son physique, et du coup qui perd les pédales. Et une équipe de France, bien que peu flamboyante aujourd'hui, a réussi à trouver des solutions en seconde période pour avoir le bonus offensif, et c'est ça le plus important, quoi. Un bonus, effectivement, le travail est fait, mais un travail, voilà, c'est juste ça, quoi. On retiendra que la victoire, le bonus, Tovigno, pas grand-chose de plus. Un France-Italie à l'image de quasiment tous les France-Italie, quoi. Tu sais que c'est pas le match de l'équipe de France pendant le Six Nations où tu vas prendre le plus de plaisir à regarder. Pas que parce que les Français sont pas bons. Je pense qu'on va revenir sur les imprécisions de notre jeu, mais bravo aussi à cette équipe d'Italie parce que c'était, voilà, il y avait du répondant en face, physique. Tu dis 40 minutes, Benji, moi je trouve qu'ils ont tenu même un peu plus, hein, même en deuxième mi-temps, ils sont pas explosés tout de suite. Les dernières 20 minutes étaient très dures pour eux, mais pas explosé tout de suite. Et ouais, après, bon, comme à la tournée de novembre, moi je trouvais que le révélateur, ça serait la Nouvelle-Zélande. Le premier révélateur, c'est pas ce match-là, ce sera vendredi ou samedi prochain contre l'Irlande. Où là, faudrait être bien meilleur que cet après-midi, ça c'est sûr. J'ai l'impression que les matchs France-Italie en ouverture du tournoi, c'est à la fois une chance et à la fois un truc un petit peu difficile pour nous parce que l'Italie joue, j'ai envie de dire, son plus gros match dès le départ, quoi, dès le coup d'envoi de cette compétition. Eux, ils sont à fond, ils ont vraiment les crocs à ce moment-là et ils ont encore un petit peu d'énergie, ce qu'ils ont un peu moins en fin de tournoi où généralement ils prennent 50 points par match à chaque fois. Donc un peu compliqué de recevoir l'Italie à ce moment-là. Mais en même temps, ça nous permet, Benjamin, de nous retrouver et enfin de relancer un petit peu la machine. On sait aussi, il y a plusieurs mecs qui ont pas joué pendant un long moment, et ça fait quand même 3 mois que l'équipe de France n'avait pas évolué ensemble. Comment t'as trouvé un petit peu cette rencontre dans sa globalité, notamment le niveau des Bleus, Benji, si on t'écoute? Bah, c'était très brouillon, hein, surtout en première période. Beaucoup de fautes. On offre pas mal de possibilités aux Italiens qui en ont profité, hein. Le premier essai, ça part quand même à la base d'une de nos erreurs. Donc c'est quand même assez dommage. On encaisse un essai. Moi, j'aurais voulu ne pas encaisser d'essai parce qu'il faut toujours être un petit peu perfectionniste, surtout face à une équipe d'Italie qui est pas impressionnante offensivement, hein. Franchement, ils arrivent toujours à casser leurs actions, à faire des erreurs qui les empêchent de marquer tout seul. T'as même pas besoin de trop faire. Et du coup, ouais, bah c'est nous, hein, on a peiné pas mal, vraiment. D'abord, ouais, techniquement, en hein, première période, on faisait un peu n'importe quoi, nos choix étaient incompréhensibles. J'ai trouvé qu'il y avait une surutilisation du pied. De temps en temps, c'était pas toujours très utile. Je pense notamment au jeu au pied de Ntamack, qui était vraiment un peu trop utilisé. J'en reparlerai peut-être un peu plus tard dans les tops et les flops, mais ouais, bah, franchement. C'est dur de débriefer cette rencontre parce que l'Italie, je trouve que c'est pas une équipe sérieuse de rugby, quoi. Dans le rugby international, Oh, direct, tu mets les pieds dans le plat directement. Mais non, mais à partir d'un moment dans le on le rugby sent. international, t'es prêt physiquement ou pas. Tu peux pas te dire, je suis prêt physiquement, je vais tenir 40 minutes et après je vais me prendre une raclée. Bah, là, c'est ce qui s'est passé. Ils sont encore pris combien d'essais? 4 essais en seconde période. Voilà, non, mais c'est pas sérieux, excusez-moi. Je dis la même chose tous les ans, hein, vous pouvez regarder. À chaque fois que je parle de l'Italie, je dis que c'est pas une équipe sérieuse.
C'est tout, c'est tout. Ils ont des bons joueurs. Franchement, ils ont des bons joueurs. Garbizi. Je trouve une progression aujourd'hui. Moi. Non, je trouve pas de progression par rapport à la dernière, moi, personnellement. Donc, moi, voilà. Je trouve une progression. Il y a beaucoup moins de fautes côté italien. Alors, il y a moins de fautes, ça, c'est vrai. Ils sont pas mal en vrai. Problématique pour moi dans ce match côté italien, parce qu'il faut un match voilà, très défensif. Mais en même temps, tu es à l'extérieur, c'est peut-être l'une des meilleures équipes du monde. Donc, on va pas leur demander non plus de faire le jeu et d'être extravagant. Je les trouve voilà, plus solide défensivement. La problématique, c'est plutôt dans les fondamentaux. En touche, c'est une catastrophe. La mêlée, elle a été très bonne pendant 5 minutes à la fin, mais avant ça, c'était une catastrophe aussi. Donc, bon, après, ils ont quand même bien défendu sur les ballons portés. C'est pas un grand match de l'Italie, mais je trouve que pendant une mi-temps, pendant 40 minutes, Tovigno, bah, ils font pas jeu égal. Mais bon, on mène de 1, 2 points, on est souvent derrière au score, et c'est pas complètement immérité non plus. Quoi. Tu sens à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est. En plus, c'est. Pour regarder même les autres matchs de l'Italie, c'est que contre nous qu'ils ont cette faim sur le terrain. Tu vois, sur les un peu les ballons, les mauvaises passes entre deux, ils se jettent sur le ballon, dans les rucks, ils y vont. Je sais pas si c'est le fait de jouer la France ou quoi. Ou c'est le fait qu'on les joue tout le temps en premier, qu'ils ont, comme tu disais, ils ont de l'énergie que pour un match sur cinq. On verra. Mais, oui, on verra s'ils ont progressé là-dessus. Après, je rejoins Benji sur la surutilisation du jeu au pied. Et moi, je vais en mettre trois dans le même sac. Je vais mettre Dupont, Ntamack et Jaminet. Je trouve que les trois ont beaucoup trop utilisé le jeu au pied. Et les trois, franchement, je suis gentil en disant que 20% du temps, c'était bien fait. Quoi. Il y a eu beaucoup de jeu au pied, j'ai trouvé vraiment inefficace et inutile. Question pour toi, Antoine. Tu penses qu'ils utilisent le jeu au pied parce qu'il pleut ou justement ouais, ça allait être l'axe de mon développement. Je ne sais pas si c'est les consignes qui ont été changées juste avant le début du match au vu des conditions météorologiques. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu qu'il pleuvait quasiment pareil hier à la Viva Stadium et j'ai vu une équipe d'Irlande qui jouait au rugby. En deuxième mi-temps, il ne pleuvait plus. Est-ce que vous avez trouvé qu'on a été beaucoup mieux dans le jeu en deuxième mi-temps? Il y a eu du mieux, mais ce n'était pas non plus flamboyant. Donc ouais, je sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment une surutilisation du jeu au pied. Et alors, quand c'est bien fait, c'est efficace. Mais quand c'est pas bien fait, toi, t'es devant ta télé, tu te fais chier parce que c'est du ping-pong. Tu t'es fait chier, Benjamin, aujourd'hui ? Je me suis fait chier par intermittence. Ouais. J'aime bien quand on attaque, quand on essaie de mettre en place notre jeu. Encore, nos phases offensives, c'était pas tellement ce qu'on fait d'habitude. Normalement, on est pas mal dans la continuité, pas mal de passes après contact. On essaye de résister, de faire jouer le copain et tout ça. On a un peu moins vu ça aujourd'hui. On a essayé de créer les décalages sur les extérieurs. Ça a très bien marché parce qu'on a marqué des essais comme ça. Mais c'était pas habituel. On a essayé d'être plus simple. Ça a marché parce que c'est l'Italie en face. Après, il va falloir trouver d'autres solutions face à des équipes qui défendent encore mieux. Parce que l'Italie, ça défend bien, mais l'Irlande, ça défend mieux encore. Donc c'est ce qui faut surtout contre l'Irlande. Moi, Antoine Dupont, qui met 4 ans à sortir chaque ballon. À Dupont, on va en parler, mais Dupont, il m'inquiète. Je disais déjà la semaine dernière qu'il m'inquiète. Là, il m'inquiète encore plus. Il est vraiment loin de son haut niveau. Il fait un très mauvais match. Et pour moi, il y a une action qui résume un peu son. Je sais pas si c'est son état physique ou l'état dans lequel il est ces derniers temps, mais c'est l'essai de Penaud. Alors, c'est qui joue la passe, c'est très bien, mais un Dupont en forme, pour moi, il va à l'essai sur l'action. Il peut aller tout droit et il joue. Non. Il joue bien le coup quand même. Oui, il joue bien le coup. Non, il joue bien le coup. Là, il avait le choix entre fixer, mais il n'est pas totalement fixé. Parce qu'il n'a pas le coup de rein qu'il a à chaque fois. Tu sais, le ministre de l'Intérieur, quand il est retrouvé comme ça dans l'axe, normalement, c'est tout droit et c'est entre les poteaux. Et là, il sait qu'il l'a pas, donc il a joué avec sa forme du moment et il a très bien joué le coup. Mais je vous rejoins totalement du point inquiétant. Du point inquiétant et peut-être Benjamin, c'est une France qui pour toi manque de maîtrise aujourd'hui, qui n'est pas assez, comment dire, pas forcément appliquée, mais en tout cas, voilà, pas maître de tous les éléments de ce match. Ouais, pas maître. Ouais, je sais pas. De toute façon, on a toujours du mal face à ces équipes-là qui sont dans un niveau inférieur à nous. On est toujours un petit peu avec un. On sait pas comment jouer parce que finalement, on est une équipe qui est très fort sur du jeu rapide. On est normalement très très fort en défense. Du coup, on laisse très peu passer. Et après, en jeu rapide, on punit immédiatement les adversaires. Face à l'Italie, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc, c'est quand même différent. Donc, on s'attendait un petit peu à un match comme ça. Moi, je pensais que j'allais voir ça et j'ai vu ça et j'étais pas surpris. J'étais un petit peu inquiet au tout début du match parce que je voyais qu'on commettait quand même beaucoup, beaucoup de fautes. Quand tu commets plus de fautes que l'Italie face à eux,
c'est quand même très moyen. Ça faut quand même le reconnaître. Et après, ça s'est inversé en seconde période parce que ouais, ils étaient cramés. Hein. Donc voilà, ça s'est modifié. Ouais. Après, c'est ça qui est bien sur lui, c'est que moi encore, alors que je suis ce sport depuis énormément d'années, encore aujourd'hui, j'ai appris des nouvelles règles. Tu connaissais pas la règle de l'essai qu'on a fait sur marchand, en fait, Tu la connaissais pas. Ça semble logique, il n'y a pas le droit de faire ça. C'est le premier déblayeur. Ouais, tu vois, à quel moment tu détermines que Jelonche et Bail sont dans le ruck. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore. Bah, ils sont liés. Ils sont liés à Marchand. Il n'y a ouais. pas le droit de. Jelonche, il est complètement lié. Hein. Oui, ils sont liés à la Marchand. La règle est parfaitement appliquée. Et surtout, nous, en tant que spectateurs, on va se dire bon, peut-être ça se trouve, Marchand, il ne la connaît pas. Et attendez, ils ont un entraîneur qui est arbitre en plus, qui a dû mais assister là-dessus un maximum de fois. C'est pas une nouvelle règle en plus. Et d'ailleurs, Marchand, il l'a refait 5 minutes plus tard dans la rencontre. Il reprend le ballon alors qu'il est encore lié et il n'est pas bien placé. C'est d'ailleurs qu'il faut maîtriser parce qu'il y a quand même des équipes qui, eux, le font très bien. Je pense à l'Angleterre, notamment avec Maro Itoje, qui est un spécialiste là-dedans, qui à chaque fois s'engouffre dans ce type de situation. Il faut arrêter d'être l'enfant un petit peu bête quoi, sur le terrain et voilà, comprendre comment maîtriser ces règles-là. Autre point négatif dans ce match pour moi, messieurs, peut-être je peux lancer Benjamin ou Tovigno. Pour moi, c'est notre agressivité qui malheureusement se transforme généralement en avantage et pénalité pour l'adversaire sur des phases défensives de possession, puisqu'on est tout le temps hors jeu, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce qu'on fout défensivement. Qu'est-ce que c'est que ce rideau-là qui est toujours... qui est peut-être trop agressif, finalement, Benjamin. Ah bon, on est parti à contre-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils étaient pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Et même de temps en temps, au-delà de ça, il y a eu des actions où tu as des joueurs qui ont fait écran par rapport à d'autres, qui ont été plaqués l'autre mec sans comprendre ce qui se passe. J'ai notamment en souvenir un... Bamba qui fait ça en seconde période, il y a aussi Wookie qui fait ça aussi en seconde période, et du coup, c'est dommage parce que c'est à des moments où t'es à 10 mètres de l'en-but adverse et tu offres une pénalité qui leur permet de se dégager, quoi. Donc tu perds en continuité dans ton jeu et tu perds un petit peu le fil. Et à chaque fois, quand tu fais des fautes, ça saoule un petit peu, ça fait perdre du temps à ton équipe et surtout tu sais que c'est évitable, c'est ça le problème. Et surtout, quand tu as un arbitre international qui connaît très bien ça. Quand tu as progressé un petit peu sur cet aspect-là l'année dernière, refaire ces fautes-là, maintenant, c'est un petit peu énervant et j'espère qu'ils vont réussir à régler ça dès la semaine prochaine, avec peut-être du travail spécifique à l'entraînement dès demain, hein, enfin dès mardi, je veux dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je pourrais reprocher sur ce match à l'équipe de France, c'est plutôt que d'être une équipe voilà, qui impose son jeu, peu importe l'adversaire, j'ai l'impression qu'on met notre niveau, notre curseur en fonction de l'adversaire. Quand on joue les Blacks, bah, on est à 850% parce que si tu n'es pas à 850%, tu ne réalises pas le match que tu as fait en novembre. Et là, l'Italie, tu vois, tu ne joues pas ton jeu à toi. Tu joues avec la suffisance qu'il faut pour battre l'Italie et avoir le bonus. Et voilà, c'est contrat rempli. Après, si samedi prochain, on fait un putain de match et qu'on bat l'Irlande, on dira c'est bien en fait voilà c'est et c'est moi c'est le on, c'est le petit point de merde qui analyse mal mais on, voilà là on quand je débriefe ce match de l'Italie j'aurais aimé voir une équipe de France plus conquérante enfin meilleure dans le jeu parce que tu l'as bien dit Tovigno, souvenez-vous de ce débrief de France Géorgie qui nous avait valu peut-être deux semaines plus tard quelques petites insultes on va dire de la part de certains spectateurs et supporters qui n'ont pas compris notre cruauté mais voilà notre exigence par rapport au 15 de France et là on retourne un petit peu dans la même situation. C'est aussi pour ça que moi je garde un peu le frein à main aujourd'hui. J'ai pas envie d'être très critique envers les Bleus, c'est un match de reprise, un match de début de tournoi aussi qui est important. Il faut savoir que les Bleus jouent peut-être pour la première fois avec vraiment beaucoup de pression aussi. On nous attend en tant que favoris, c'est un statut qu'on n'avait pas forcément avant aussi. Donc voilà plusieurs éléments qui viennent s'imbriquer en même temps. Il en reste quand même une belle victoire 37-10, n'importe quoi. Après, moi je vous dis, je m'attendais à ce résultat aujourd'hui, je m'attendais à une physionomie à peu près, à peu près équivalente à celle qu'on a vue. Ce qui me pose problème, en revanche, c'est les faillites individuelles et les états. Ça peut m'inquiéter un petit peu. Je parle. Tu ouvrir un procès, Benjamin. Ah non, je veux pas offrir de procès parce que c'est pas forcément la faute des joueurs. Non, c'est pas la faute des joueurs, c'est la faute de leur état physique, parce qu'il y en a, ils sortent de 2 mois de blessure, il y en a, ils sortent du Covid et tout ça. Du coup, finalement, la préparation a été pas mal hachée. Il y a Jalibert qui va revenir la semaine prochaine, mais Jalibert, pareil, il sort de 3 semaines d'indisponibilité, qu'est-ce que ça va donner? Je suis pas. C'est ça qui peut m'inquiéter un petit peu, c'est pas forcément la prestation collective de ce soir qui était attendue, hein. Franchement, c'est toujours la même chose. Hein. Je,
Je peux lancer une pique pour me faire insulter par le chat ou pas, Benjamin? Ah, vas-y, fais-toi insulter, je vais pas t'en empêcher. J'ai trouvé qu'à l'exception peut-être de Cyril Bailly, dans la globalité, les Toulousains m'ont beaucoup déçu aujourd'hui. Et généralement, c'est les joueurs toulousains qui individuellement poussent le collectif vers le haut. Aujourd'hui, leur faillite individuelle pour beaucoup, moi je pense, j'ai pas aimé le match de Marchand, j'ai pas aimé celui de la charnière. L'entrée de Movaca aussi, parlons-en. Même voilà, les entrants n'ont pas non plus fait une très très grande impression. Non, c'est faux. Thomas Ramos fait 4 bonnes minutes. Sur la chandelle, il vient mettre un coup de genou à l'italien et fait belle sortie. Il le fait bien saigner du nez après. Oh, putain, il prend la pénalité en plus pour lui. Il est KO, il est KO l'italien. L'autre, l'arbitre qui dit ouais, pénalité franche, j'ai fait oh, bah, sympathique, merci beaucoup. Non, bah voilà, je sais qu'il y a eu un débat. Moi, personnellement, Marchand, je ne le trouve pas à son niveau de 2000. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Marchand, je pense que les gars du chat, ou la plupart, il va y avoir deux familles. Là. Ceux qui pensent que Marchand a fait un gros match. En fait, pour moi, Marchand, tu penses qu'il a fait un gros match parce que tu le vois beaucoup, c'est vrai. Il a une grande. Très actif. Très actif. C'est d'habitude, ça. Là, comme c'était beaucoup du jeu à une passe, bah, dans le combat frontal, comme ça, il est très bon. Pour moi, il y a trop de fautes, il y a trop d'erreurs. C'est brouillon, ça avance pas comme avant. Et je te rejoins sur le fait que je le mettrai pas en flop, je le mettrai pas en top. Juste, je le mets en match neutre. Après, en mêlée, il est capable de faire beaucoup mieux. En mêlée en touche, les Toulousains étaient solides hein, quand même, disons-le. Ah, ça n'a pas raté grand-chose. Dans le jeu, on est d'accord, c'était difficile. Marchand était beaucoup moins fort sur les zones de ruck que d'habitude aussi. Ça, c'est quelque chose à noter. En fait, c'est ça peut-être, Benjamin, le point important. C'est pas qu'ils ont fait un mauvais match, ou peut-être, par contre, on peut parler d'Entamac ou Dupont, mais c'est juste que pour moi, ils ont pas été à leur niveau habituel. Quoi. Ils ont été un petit peu en dessous, ouais. Et c'est pour ça que, d'où ma déception, qui fait que ça va pas partir vers l'avant. Voilà. J'imagine que tu as en tête le moment où Marchand essaye de partir seul, mais il se fait bien refouler, là, les jambes en l'air et tout ça. Là, mais tu sais, par exemple, des points simples. Je l'ai trouvé moins impactant dans les rucks, moins précieux à la récupération de ballon. Alors, des fois, c'est vrai qu'il a été extraordinaire certains matchs, et peut-être que j'ai trop ça en tête. Et autre chose, voilà, je le trouve moins dans l'avancée aussi dans ce match. Et comme beaucoup de Français, je trouve que dans les impacts, on n'a pas toujours été très dominant face à cette puissance physique italienne qui nous a une nouvelle fois fait du mal. Et comme souvent, contre la Géorgie, on l'avait vu aussi, dans les petites rencontres comme ça, on se fait un peu piéger par un. Voilà, je sais pas si c'est un manque de puissance, un déficit de puissance, ou au contraire, c'est juste qu'on a mal joué certains coups. Non, je pense que les joueurs sont pas au top physiquement, donc c'est ce que je te dis. Et du coup, ça peut expliquer ça. Ça aussi, il y a d'autres choses, c'est que l'Italie, ils sont très forts hein, à ce niveau-là pour défendre. C'est pas une surprise. Hein. Ils arrivent très bien à tenir leur ligne de défense. Ils te ferment bien tous les espaces. Et ça, pendant très longtemps, on a essayé de passer. Et ils faisaient des prises à deux, des prises à trois. Et ça, c'était très bien joué. Il faut aussi mettre ça à leur avantage. Parce que je critique l'Italie, je dis que c'est pas une équipe sérieuse. C'est pas une équipe sérieuse parce qu'elle éclate physiquement au bout de 40 minutes. Je remets pas en question quand même leur qualité défensive qui est quand même assez forte. Donc, surtout face à nous. Hein, ils sont morts de faim face à nous. Mais... C'est leur match. C'est leur match. Ils vont se prendre 50 points dès la semaine prochaine. C'était leur match. Alors, je peux tout de même rappeler ta haine viscérale de ce pays qu'est l'Italie. Au rugby, tu sais, c'est pas que j'ai pas une haine contre eux parce que bon, ils sont tellement mauvais que j'ai pas de raison d'avoir. Je te pose une question à Benji. T'en penses quoi de la façon, la prise d'élan pour tirer les pénalités de Garbizi? Je sais pas, c'est pas mal. Il a quand même passé une pénalité très dure. La première qui passe, j'ai l'impression qu'il va se faire les croiser à chaque course. Ouais. Et sinon, il y a ça. J'aime bien aussi Yohane, il court à chaque fois. T'as l'impression qu'il est méga sous pression. Il a des appuis, il est pression. Ah, mais il ça, c'est les... il rentre les épaules. Il court comme ça. C'est les ailiers costauds un peu des îles là, qui nous sortent des trucs des fois. Tu sais, des courses genre violentes, tu vois. Genre, ils mettent du charisme et de l'impact. Tout ça pour se faire stopper 2 mètres plus tard. Hein, vraiment, c'est. Alors. Pour répondre à Papa Zoulou sur une opinion sur Crétin, il est bon en touche, ça s'arrête là. Voilà. Non, il a été bon plaqueur aujourd'hui, Crétin. Tu veux voir François Kroos, toi, je sens. On te connaît, de toute façon, les Toulousains, tu l'as vu tous titulaires, ça suffit. Non, même pas forcément. Juste. T'as réclamé Charlie Fomuna quand même, puis les droits, on rappelle. Donc. on se méfie quand même. Non, j'ai demandé Rodrigo. Tu sais, au bout d'une période d'inactivité dans une sélection, tu peux changer de sélection normalement, c'est dans les règles. Hein. Pourquoi pas. Non, mais moi, pour parler vite fait de Dylan Cretin, c'est une très très bonne question. C'est un joueur que j'aime pas forcément dans le sens où c'est un profil dont t'as besoin en équipe de France, mais qui est pas très spectaculaire.
Mais voilà, c'est un mec qui va quand même te gratter des ballons en touche, qui est extrêmement important dans ce domaine-là. Il est précieux dans la conquête. C'est un bon joueur de rugby. Hein. C'est un joueur avec de l'impact, de l'endurance aussi, c'est important. Des mecs qui vont tenir 80 minutes d'un match, qui n'auront pas besoin d'être remplacés forcément. Après, est-ce qu'on n'a pas mieux sur le banc, Benjamin ? On peut se poser la question. Ah bon, en troisième ligne, on a beaucoup de variétés. On a beaucoup de profils différents. Et ce qui est bien, c'est que Cretin était peut-être titulaire aujourd'hui, mais c'était circonstanciel. Parce qu'il avait un profil qui était intéressant. En touche, il a été impérial, comme Mwoki d'ailleurs. Ils ont beaucoup servi, ils ont pas mal gêné les Italiens. Peut-être que la semaine prochaine, tu te diras, ah, Makalou, il est blessé Makalou, non, ça va ? Non, il est au Stade français, il t'a envoyé chez lui. Ah bah, peut-être que Makalou, tu vas l'utiliser parce qu'il va te permettre d'avoir des courses à haute intensité. Peut-être que la semaine d'après, tu te diras, ah, peut-être un François Kroos, défensivement, il va plus m'apporter qu'autre chose. Ou ouais, même peut-être donc, que tu vas remonter Wookie. Ce qui est bien, franchement, je trouve ça positif d'avoir autant de mecs et je trouve que Cretin en soi aujourd'hui, il a fait le job sans éclat, en n'étant pas forcément mauvais, je trouve qu'il a fait le job. Pazoulou le dit, ou Charles Olivon, on sait qu'il revient de blessure. Ah, Charles Olivon, faut voir son état aussi, lui. Il a enchaîné deux grosses blessures, là, c'est... Il y aura cette question de réintégrer certains cadres qui ne sont plus forcément au niveau, qui ont eu des blessures ou qui sont genre en période de méforme, hein, notamment Virimi Vakatawa, parce que j'aime bien Jonathan Danti, mais je pense que Virimi en pleine forme, c'est quand même au-dessus, quand même largement bien. Au-dessus. Mais d'abord, deux choses. Premièrement, vous êtes plus de 66 sur le live, merci beaucoup. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je fais rentrer dans la cage, dans l'arène, si je puis dire, votre supporter toulousain numéro 1, bien sûr, c'est monsieur Martin ST31. Martin, ton très joli accent chantant nous avait manqué, comment vas-tu, mon cher Martin? On a regardé ton débrief hein, de Toulouse-Perpignan tout à l'heure. Écoute, comme d'habitude, voilà, on ne va pas y rentrer dedans, Benji, s'il te plaît. Hein, merci, on ne va pas y rentrer dedans. J'ai passé encore un week-end de merde. Heureusement qu'il y a eu ce match de l'équipe de France pour essayer de bien terminer le week-end. Parce que ce que j'ai vécu hier, en plus j'étais là-bas, c'est... Bref, on ne va pas en parler parce que c'est l'équipe de France. Ah si, parlons-en. Mais sinon, ça va. Non, Benji, on ne va pas commencer parce que sinon, voilà, ouais. Je vais insulter beaucoup. Donc, faut pas. On ne va pas y rentrer dans ce jeu. Non, sinon, ça va. Il y a eu un bon week-end, les gars. Il y a l'Angleterre qui a perdu hier. Ah, ouais, ça. Ça belle victoire d'Écosse. Ouais, purée. Ça m'a refait la fin de journée dans le bus, quoi. Quand j'ai vu, en plus, j'avais vécu la fin du match. C'était pas facile quand même pour l'Écosse, mais bon. Content pour la défaite d'Angleterre. Ouais. Si je peux me permettre rapidement, un mot sur Toulouse. Valeureux, cinquième. Voilà, c'est tout. Désolé, Martin, oui. On l'embrasse Thibaut, il saura pourquoi je dis ça. Je vais casser deux, ouais, c'est bon. Quoi. Bon, messieurs, on est c'est gentil, merci. On est à 22 minutes d'émission, on va reprendre là-dessus. Est-ce que vous voulez peut-être démarrer le top flop ? Parce qu'on est sur le match, bon, c'est un peu le bis repetita de France-Italie 2020 et des précédents France-Italie. Je pense que c'est le moment de sortir les cartons jaunes, les cartons rouges pour certains joueurs, ou d'ailleurs pour mettre voilà, en exergue les meilleurs. Benjamin, tu m'as l'air très très chaud. Les flops d'abord. Partons sur les flops. Ah, les flops d'abord. Bon bah, commençons par le commencement, le capitaine Antoine Dupont. Donc Antoine Dupont, merci à toi pour la passe décisive sur Damien Penaud, mais malheureusement aujourd'hui je suis assez inquiet de ta performance. Je t'adore, hein, franchement. T'es mon joueur, t'es peut-être mon joueur préféré en ce moment, comme pour beaucoup de Français, mais ouais, aujourd'hui sa prestation a été très inquiétante parce que. Il est lent de 1, il met beaucoup de temps à sortir tous les ballons, il n'a pas été aussi impérial que d'habitude. Défensivement, il a tenu son rôle, donc ça c'est quelque chose quand même à mettre à son actif. En revanche, offensivement, il n'a pas apporté ce qu'il doit apporter et voilà quoi, c'est compliqué à ce niveau-là. Je te rejoins totalement et j'ai même pas, pour qualifier son match, j'ai même pas envie de dire mauvais, j'ai envie de dire comme toi, inquiétant. Moi je l'ai trouvé inquiétant, dans l'attitude, dans le body language, dans... Je sais pas, il est très lent à sortir les ballons et même je trouve que quand les ballons sont sortis vite ou par passe après contact, il prend le ballon arrêté. Là où c'est un joueur qui est très fort quand il arrive un peu en mouvement pour faire un coup de la toupie ou pour reprendre l'axe. Ouais, et là, plusieurs fois, il prend le ballon arrêté. Il y a eu deux, trois fois où il est plutôt précis dans le jeu au pied, dans les chandelles, tout ça. Là, il a rendu 3-4 ballons. Et puis après, je regardais un peu son attitude, il avait l'air de pas trop savoir où il était sur le terrain. Je sais pas si j'ai trouvé très inquiétant. Inquiétant pour toi, le cas Dupont. Martin, tu es le spécialiste du Stade Toulousain. Qu'est-ce qui se passe avec Antoine Dupont ? C'est un manque de temps de jeu qui fait qu'on ne le retrouve pas ? Quand tu le sens, toi ? Non, forcément, c'est un manque de rythme. Il n'a pas joué depuis le 11 décembre. Après, je ne sais pas si pour le meilleur joueur du monde, dire cette stat, je ne sais pas si c'est bon à dire. Mais ouais, clairement, il manque de jeu. Il manque aussi également de...
je veux dire, de le retour du potentiel qu'il avait. Ce Covid, ça l'a plombé, il a attrapé en plus. Et là, oui, je suis d'accord avec vous. Déjà, contre le match contre le Racing, là où ça va bien faire plaisir à Benji, d'ailleurs, on va pas reparler, il avait été déjà très inquiétant parce que c'est une attitude que je ne reconnais pas chez lui. C'est taper pour taper, c'est pas de réaction, tête basse. Là, aujourd'hui, oui, pareil, j'ai pas compris certains coups de pied qu'il a fait. Vous en avez parlé en début du live. Des coups de pied excessifs sans rien apporter, j'ai envie de dire. Donc non, j'ai pas trouvé un Antoine Dupont, je veux dire, rapide comme il a l'habitude de faire, faire des passes, je veux dire, qui permettent de faire avancer le jeu. Donc non, j'ai trouvé un peu fébrile Antoine ce soir. Ouais, un petit peu décevant, effectivement. Antoine Dupont, c'est le flop de Benjamin pour démarrer, mais est-ce que c'est le plus gros flop du match par rapport peut-être aux attentes qu'on a? Par rapport aux attentes, ouais. Par rapport aux attentes. C'est le meilleur joueur du monde hein, depuis 2 mois. Hein, autre question, parce que là, je repars directement sur un autre truc, mais est-ce que le statut de capitaine, c'est... J'allais exactement y c'est revenir. C'est pas pour lui. Pour moi, c'est pas un capitaine, Antoine Dupont. J'ai l'impression qu'il a le brassard de capitaine parce que justement, c'est le meilleur joueur de l'équipe, qu'il est irréprochable et tout ça. Mais c'est pas ça le rôle d'un capitaine. Charles Olivon incarnait très bien, je trouve, ce rôle de capitaine. Je trouve que dans cette équipe, un Anthony Jelonche ou un Marchand, à la limite, mais Dupont, je sais pas, je trouve qu'il a pas Thomas Ramos, qu'il a pas les qu'il a pas les épaules. Winnie Antonio. Il a les épaules, Winnie Antonio, mais pas pour le capitaine. pour être bûcheron peut-être, mais Maxime Lucu aussi, sinon, si vous voulez. Ah bah Maxime Lucu fait une bonne entrée. Moi, ouais, c'est une très bonne entrée de Maxime Lucu, ça c'est vrai. On a vu la différence tout de suite. Ouais. Bah, on le sait, c'est un meilleur joueur qu'Antoine Dupont. Oui, t'as bien raison. De loin. Je cherche à me faire insulter par les supporters toulousains en fin de live, donc vous me connaissez. Non, mais après, il faut mettre en relief, effectivement, beaucoup de blessures, Covid et tout ça. Et après aussi, il y a son statut de meilleur joueur du monde, il a gagné tous les titres possibles à l'échelle mondiale européen, et peut-être qu'aussi, ça peut avoir un certain... Vous aviez vu, alors peut-être que ça doit pas compter de ça quand t'es un joueur de haut niveau comme ça, mais il a fait une trentaine d'interviews, que ce soit pour la presse, les télés, tout ça, depuis toutes ses récompenses, donc depuis après début décembre. Je pense que c'est usant aussi nerveusement et mentalement de comme ça pendant presque 5-6 semaines sous les feux des projecteurs constamment, et faut aussi digérer ça, pardon. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans 3 ans, quand Colby avait reçu que je sais pas combien de récompenses aussi individuelles au Stade Toulousain, la saison d'après avait été aussi compliquée, il avait mis du temps aussi à revenir, j'ai l'impression. Voilà, quand t'es le meilleur joueur du monde, que tu t'es comme ça, t'es harcelé par... Je bug. C'est bon. Bah, j'apprends la main vite sur Dupont. Tu gagnes le championnat de France. T'es champion d'Europe en plus en titre. À un moment donné, quand tu dis que t'as tout gagné, à part voilà, ce petit trophée avec l'équipe de France, c'est difficile, je pense, mentalement, de repartir vers l'avant, d'aller se remotiver quelque part. Pour autant, ils l'ont fait en novembre, que ce soit Dupont et Ntamack. D'où ma surprise en fait de ce début de mois de février, c'est est-ce que Toulouse n'a pas juste mal rentré en 2022, comme on le voit avec les résultats du club, et donc c'est toute une dynamique qui suit pour les joueurs. D'où, voilà, encore une fois, d'où ma petite inquiétude. Parce qu'on le sait, si Toulouse est mal, que les joueurs vont pas bien du Stade Toulousain, quid de l'équipe de France, les gars. C'est quand même pratiquement la moitié de l'équipe. Donc bon, est-ce qu'il y a une corrélation, une cause à effet, Martin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un problème interne? Est-ce qu'il y a un problème avec les dirigeants, là, Hugo Mola? J'en sais rien, mais c'est vrai que le niveau de jeu depuis 2 mois est plus qu'inquiétant. D'où la preuve des performances qu'on est en train de réaliser en ce moment. On fait que reculer un championnat aussi également. Est-ce que les joueurs ont la tête à l'équipe de France plus qu'au Stade Toulousain? On l'avait bien vu contre le match contre le Racing, les Ntamack, les Dupont. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie de jouer ce match et puis ils étaient plus focalisés sur l'équipe de France. Est-ce qu'ils repensent à encore l'année dernière où ils ont fait ce doublé historique? Encore une fois, j'en sais rien, mais c'est plein de choses qui se passent dans leur tête et il y en a, je pense, des joueurs toulousains qui ont pris le melon et qui vont fort vite et qui redescendent sur terre. Pardon. Alors, il y a un manque de rythme aussi, hein, les amis. Ah oui. Il y en a un, Martin, si tu me permets, que j'extrais de ta globalité et qui, lui, la pression, la dynamique négative, on n'a rien à foutre, c'est Cyril Bailly. Lui, il y a un match à jouer, il va sur le terrain et il avance. Il sera après contact, toujours à la place. Ce mec sait tout faire. Il sait tout faire.
Il est bon en mêlée, il est bon dans les rucks, il passe après contact, il sait tout faire. Il plaque. Après, il manque du rythme à Toulouse. Hein. Franchement, il y a eu beaucoup de matchs annulés hein, du côté de Toulouse, Toulon et Bordeaux. Aussi. C'est les deux, trois équipes qui ont été les plus impactées et c'est dommage. C'est quasi les trois équipes qui fournissent le plus de joueurs dans le 15 de France. À part Toulon. Oui, ouais. Toulouse, Bordeaux aussi, finalement aussi, et La Rochelle. Ouais. Bon, on n'est pas là pour parler de la 13e place de Toulon quand même. Hein. Oui, bah écoute, j'espère qu'ils vont passer derrière Biarritz. C'est mon objectif de fin de saison. Les gars, pour englober un peu la charnière, parce que pour moi, il est aussi dans mon flop, je vais mettre Ntamack aussi. Bah, à contre-temps, Ntamack. Hein. Ntamack en flop, ouais, à contre-temps, exactement. J'ai l'impression que quand fallait jouer au pied, il jouait pas au pied. Quand fallait écarter, il jouait au pied. Enfin, à contre-temps, pas toujours les bonnes décisions. Alors, tu vois, tu disais que Dupont, il noue un peu le truc avec son 1-2 avec Penaud. Ntamack fait une super passe pour Villiers sur le deuxième essai, mais c'est tout. Bah, si, sur le dernier essai, quand même, il est important. Genre, sur le dernier sur le dernier essai, ils ont balayé deux, trois fois la largeur. Ils ont balayé deux fois la largeur. Les Italiens étaient la langue sur la pelouse. C'est pas le type de match, je pense, pour un Ntamack, ce genre de rencontre où il n'y a pas forcément beaucoup d'espace. L'adversaire n'est pas assez fort pour lui. Donc. Lui, voilà, si tu joues pas les Blacks ou l'Irlande, lui, bon, globalement, a un petit peu la flemme de jouer, quoi, Romain Ntamack. Tandis que Jalibert, lui, se serait régalé aujourd'hui, je peux vous dire. Enfin, s'il était en forme. Bah, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'avec cette équipe de France, on a aussi des questions de profil qui vont être importantes pour le match contre l'Irlande. Et on fera un gros point, on conclura là-dessus sur notre compo, je pense, pour le prochain match, parce que ça va être essentiel. Mais Martin, est-ce que tu as aussi un mot par rapport à Romain Ntamack? Qu'est-ce que tu en as pensé sur ce match, peut-être? Ben, l'exemple que je disais, est-ce qu'il y en a qui doivent redescendre sur terre et baisser un peu le melon? C'est notamment lui. Parce que depuis quelques matchs, je sais pas, j'ai l'impression qu'il prend les adversaires très très faciles, qu'il pense que ça va être un match qui va être donné, qui va être gagné. Donc du coup, il va pas donner le maximum qu'il doit donner. Et moi, ce qui m'énervait au plus profond de chez lui, c'était les interviews d'après-match où il disait qu'on s'inquiète pas, qu'on allait remonter. Mais bon, au final, c'est du côté du stade, c'est 7 défaites d'affilée quand même. 3 ou 6 ou 7, je crois, mais il faut pas s'inquiéter. Même là, encore aujourd'hui, on va dire qu'il se repose un peu sur Antoine Dupont. Et puis les tirs, bon, il a fait deux bonnes actions, mais après des tirs, c'était pas des tirs exceptionnels non plus, c'était des tirs dans l'axe, sans aucune utilité. Ouais. Donc j'espère qu'il va vite redescendre sur terre et qu'il va essayer de respecter l'adversaire. C'est pour ça que les gars. Les matchs d'ailleurs et qu'il va essayer de mieux jouer, quoi. C'est pour ça, les gars, que c'est bien d'avoir commencé par l'Italie. Parce que ça va. Je pense à Ntamack et j'en ai deux, j'ai deux, trois autres noms en tête. Mais il y a quelques mecs qui, comme tu dis, voilà, ils vont peut-être remettre les pieds sur terre. On aurait commencé par l'Angleterre comme c'était le cas, je crois, il y a 2 ans. Alors peut-être qu'on aurait. Good luck, bro. On n'aurait pas eu le même match qu'aujourd'hui, mais je trouve que c'est bien qu'on ait un peu cette piqûre de rappel que, ouais, faut quand même être, faut quand même jouer un match pour le gagner, sauf face à l'Italie où ça suffit comme ça. Ok, ouais, je suis d'accord avec toi. Un petit mot, moi, j'ai pas été aussi très content. C'est peut-être pas un flop, mais pas très content de la performance de nos avants, notamment Winnie Antonio, que j'avais trouvé excellent contre les Blacks, et globalement très bon quand je le vois jouer, notamment avec La Rochelle. Pas trouvé sensationnel, Winnie Antonio, aujourd'hui. C'est spécial parce que nos avants, d'un côté en conquête, ils sont très très forts sur tous les titulaires. Après, les remplaçants, on a vu qu'en mêlée, c'était plus dur. Et d'un autre côté, au niveau des impacts et tout ça, on les voit un peu moins. Genre, ils ont moins avancé que d'habitude, ils ont fait plus de fautes. Et les entrants, je parle beaucoup, les entrants, pour le coup, ils ont fait n'importe quoi. Hein. Demba Bamba, son entrée, a montré absolument nulle part. Hein. Franchement, c'était catastrophique. Movaka qui veut pas lâcher le ballon porté alors qu'il voit bien que là, c'est plus possible. Tu vois bien que ça va tourner, ça n'avance plus et tout ça. Il y a peut-être Moefana, à la limite, qui fait une entrée plutôt. Là, c'est bien. Mais Moefana, oui, non, mais je parle des entrées des avants pour l'instant. Parce que Lucu, il a fait une belle entrée aussi. Ouais, Lucu aussi. Ouais. Non, mais les avants, ouais, donc c'est un match en demi-teinte. Parce que d'un côté, c'est très bien et de l'autre côté, c'est moins bien. Donc c'est difficile à juger, je trouve. Et justement, je pense que le cap, comme le dit Thibaut, il va être important. L'Irlande devant, malheureusement, c'est exceptionnel. Hein. Le 8 de devant, il est simplement magique. Et soyons honnêtes, hein, l'équipe de France, le 8 de devant aussi sur la compo, il est magique aussi. Mais si on n'a pas la même intensité, les répondants qu'on aura besoin d'avoir contre l'Irlande samedi prochain, si tu ne gagnes pas devant, waouh, ça va être dur d'aller jouer derrière aussi, messieurs, dames. Donc, faut se réveiller pour certains.
Quid peut-être aussi de la performance de Cameron Wauquiez dans la cage, que moi j'ai bien aimé, mais est-ce qu'on n'aurait pas besoin peut-être d'un joueur plus puissant à ce poste-là de numéro 4? Mais moi, justement, tout à l'heure, Flamand? vous parliez. Moi aussi, pareil, ouais. J'avais pensé à un joueur. Flamand? Martin? Non, Bernard Leroux? Leroux. Bernard Leroux. Leroux. Après, il n'est pas en grande forme, ça va, Leroux. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude de voir un Wauquiez troisième ligne aile, quoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Bordeaux, il excelle tellement sur ce poste que Bernard Leroux en numéro 4, enfin, au Racing, il est très très puissant. En touche, c'est quelqu'un qui anime énormément la touche. Donc, je ne sais pas, au niveau de la combativité, je pense qu'il peut être quand même très intéressant et très important contre l'Irlande. Et après, je pense qu'il peut y avoir un avantage sur ce match contre l'Irlande. On est à domicile. Stade de guichet fermé, je pense ça peut être un point positif, je pense, un truc en plus. Mais l'Irlande, on sait que c'est très costaud. Et avoir gagné 29-7 contre les tenants du titre, ils vont pas venir pour faire la figuration, quoi. Effectivement, juste avant de te passer la main, mon cher Antoine, vous êtes pratiquement une centaine sur le live. Merci à tous pour votre fidélité. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, c'est le plus important, et aussi de mettre le petit pouce bleu. Si tout le monde s'abonne, on passe la barre des 4300 abonnés. Ça peut être un joli chiffre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire kiffer en cette fin de week-end de février. Antoine, excuse-moi, reprends la parole, s'il te plaît. Je suis plutôt d'accord avec le chat. Moi, ça dit qu'on irait à la fin sur la compo qu'on aimerait clairement, mais tout à l'heure, vous parliez de Kroos, de pas mal de joueurs. Moi, je remonterai Wauquiez en troisième ligne et je ferai rentrer Romain Taufifénoa, que j'ai trouvé bon quand il a joué en équipe de France. Même, je trouve que son entrée aujourd'hui, elle est plutôt bonne. C'est un impact payeur, il avance. Bon, le problème, c'est qu'il avance beaucoup avec l'épaule en avant, donc il faudrait éviter de prendre des cartons rouges à la con. Mais voilà, s'il ne prend pas de carton rouge, c'est un très bon joueur de rugby. Question pour peut-être Benjix. On voit Yannick dans le chat qui nous parle d'une impression selon lui qu'on a tendance à se mettre au niveau de nos adversaires à chaque fois. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure, hein. Ouais, ça me pense à un petit peu Tomini aussi. Je pense pas que c'est vraiment ça. Je pense que c'est le profil des rencontres qui est différent, quoi. C'est-à-dire quand tu joues des équipes qui sont plus faibles que toi, c'est toi qui vas devoir faire le jeu. Et quand tu joues des équipes qui sont de ton niveau ou qui sont un peu plus forts que toi, tu vas avoir tendance à jouer leur jeu, finalement à jouer notre jeu, parce que c'est-à-dire tu les laisses attaquer et toi tu vas pouvoir les punir très rapidement. C'est ça la différence, c'est surtout ça, parce que c'est pas forcément qu'on se met au niveau des adversaires, parce qu'on voit que si on se mettait au niveau des adversaires, ce soir on l'aurait vu, on aurait été catastrophique, hein, je suis désolé de vous dire. Les adversaires, on leur a quand même mis 27 points de différence. Hein, donc, les 25 premières minutes contre les Blacks, on n'a pas attendu que les Blacks fassent du jeu. Hein. Nous, on est rentrés dans le match comme des morts de faim et on a imposé notre jeu, je trouve. Oui, après, bon, on n'a pas joué les Blacks aujourd'hui. Non, c'est vrai. Tu peux penser que. Alors, dire que les joueurs. On a joué les Blues, mais. Ouais, les Blues. Ouais. Pas extraordinaire. Allez, ouais, parler d'un truc, c'est que je me rappelle, Mathis, tu disais qu'on était plutôt en réussite quand les Blacks jouaient en blanc. Moi, je trouve qu'on n'est pas bon quand nous, on joue en blanc. À chaque fois qu'on joue en blanc, je trouve qu'on n'est pas bon. On joue pas en blanc contre les Blacks? Non, non, on joue en bleu. On était en bleu, ouais, c'est vrai. Bon, écoutez... Non, on était en blanc contre la Géorgie, on était en blanc contre l'Écosse où on perd dans le tournoi. Ouais. Il y a peut-être un truc qui se passe. On va essayer de demander à jouer en bleu tous les jours, hein, parce que ça a l'air de motiver certains. Donc, On va faire un maillot rouge, peut-être que ça sera mieux. Non, pas de maillot rouge. Ça suffit avec le maillot rouge. Comme en 2015, Benjamin, la belle époque de squat spedding, s'il te plaît. Oh non. Ah si. Oh là là. Bon, maillot rouge. Je l'ai le maillot là, si tu veux, Benjamin. Tu as acheté le maillot rouge? Non, mais quand même, un peu de respect. Non, j'ai pas le rouge, j'ai le bleu de 2015. Ah, encore mieux. Tu sais, celui, quand tu le vois, tu penses à Guirado. Bon. Tu penses Allez, à Camino. On va enchaîner. Tomino, justement, tu as l'air de devoir prendre la parole. Parle-nous un petit peu d'un possible top, s'il te plaît. Ou en que c'était encore un flop. Vas-y. Non, je pense qu'on a assez balayé les flops, on aurait pu dire encore des noms, mais bon. Mon top de ce match, c'est Grégory Aldrit. Je l'ai trouvé incroyable. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était un peu déçus de Grégory Aldrit ces derniers temps, que ce soit avec La Rochelle ou avec l'équipe de France. Là, cet après-midi, il avait des choses à prouver, à se faire pardonner. J'ai trouvé dans le combat. Vraiment, en fait, tu sais quoi, je me rappelle, on avait eu un débat de savoir si c'était pas vraiment le 8 son poste, parce qu'il avait joué un peu 6 ou ça, enfin, 3e ligne L. Ouais. J'aime bien quand il est 8 comme ça, 3e centre. 3e ligne centre.
Je trouve vraiment que c'est son poste. Quand il est comme ça, il est super bon. C'est un super joueur. Et même, tu vois, dans l'attitude, quand il sort à la fin, il n'est pas content de sortir. J'aime bien. J'aime bien le joueur. Il fait le contraire du Stade Toulousain, hein, Martin. Lui, il n'était pas bon au mois de novembre. Maintenant, il est excellent depuis le début de l'année. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu du retour du grand Greg? Les coups de couteau envers Martin aujourd'hui, c'est terrible. Ouais, c'est bon, c'est bon, je suis là. Hein, non, mais rien ne va. T'as compris, rien ne va. Rien ne va. Non, mais j'attendais mon tour. Je me suis dit, ça va être à Benji. Non, moi, au niveau des flops, au niveau des tops, d'ailleurs, il a été adressé l'homme du match, Gabin Villière. Oh bah oui. Franchement, pour moi, il a été incroyable dans toutes les fins d'action, d'où son triplé. Non, il a été là au niveau offensivement, il a toujours été là au bon moment, toujours là le dernier rempart. Et non, il a sorti un très très gros match. Et je pense qu'on va en avoir bien besoin contre l'Irlande. Et j'espère qu'il va sortir le même match que contre l'Italie. J'espère, en tout cas. Inch'Allah. Benji, tu veux aller d'abord sur Greg Aldrit ou d'abord sur Monsieur Villière? Comment tu le sens? Bah, Villière, c'est l'homme du match, hein. Pourquoi pas aller sur lui, hein, parce que très bien. Bah, il a mis un triplé, belle performance défensivement, toujours là. C'est intéressant sa mobilité dans la ligne de trois quarts, c'est-à-dire il se place toujours à un endroit différent, il vient apporter des solutions aux autres. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Et il a marqué des essais très intéressants. Après, bon, c'est des surnombres sur extérieur, c'est un ailier. Voilà, c'est bien joué à lui. Il a très bien joué le coup à chaque fois et c'est mérité. Franchement, j'apprécie Villière depuis son arrivée en 15 de France. Il y a eu quelques blessures qui sont venues perturber son parcours jusqu'à présent. Et son profil est vraiment très utile à l'équipe. Et franchement, aujourd'hui, franchement, j'ai kiffé. C'était le meilleur joueur sur la pelouse, de toute façon. Et il n'y a pas trop, finalement, de questions par rapport à ça. Et justement, demandons au chat ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est Gabin Villière l'homme du match ou un autre joueur? N'hésitez pas à nous faire Penaud, savoir. Penaud, de son côté aussi, a fait le job. Hein. J'ai bien aimé aussi le match de Penaud. C'est pour ça que je n'ai pas mis Villière en premier top. C'est que Villière marque son triplé, c'est génial. Bravo à lui, c'est anodin, triple en sélection, mais tu vois, dans la performance du match, parce qu'il finit les actions dans la performance du match, je trouve par exemple que Penaud, dans le jeu, fait un meilleur match que Villière, pour moi. Et c'est Villière qui finit les actions, mais je trouve que Penaud a réussi à plus perforer cette défense italienne, a été très actif. Vous parlez je trouve qu'en défense, il était bon aussi. Il prend un peu trop beaucoup, je trouve, quand même. Non, un jour, ça va s'arrêter. Justement, je m'excuse auprès d'Alain, qu'on connaît bien, qu'on avait interviewé. Non, la défense de Damien, c'est plus possible, quoi. Franchement, toujours le haut du corps. C'est un placage, c'est n'importe quoi. C'est vrai que tu as deux, trois fois, tu as peur qu'il y ait placage. Il arrive, il le prend là, mais au moins il y va. Je connais des ailiers qui ne font même pas, qui n'y vont pas. Et tu vises qui en disant ça? Je sais pas ça. Tu vises un futur Rochelet ou pas là? Un joueur qui joue Racing mais trop. Un futur Rochelet, tu sais, un mec qui va l'année prochaine. Je sais juste qu'il a plus un poil sur le caillou, mais à part ça. Ah bah il a décidé de tout raser. En vrai, voilà, c'est, pour moi j'ai l'impression que l'équipe de France ne peut pas jouer sans un numéro 14 qui ne sait pas défendre. Bon, on fera avec. Par contre, ouais, il faut le dire, Penaud offensivement, il a progressé, je trouve, depuis le début de la saison. Je sais pas ce qui lui arrive, je le trouve meilleur avec Clermont et je le trouve bon avec le 15 de France. Est-ce que l'essai aussi contre les Blacks l'a pas peut-être donné un effet survolté, qui sait? En tout cas, j'adore voir jouer ce nouveau Penaud là qui nous tente des trucs, qui retrouve un petit peu son niveau de 2019, je trouve, dans sa folie un petit peu dans son rugby. Voilà, c'est pas un homme du match, Martin, mais c'est un joueur qu'on reverra certainement contre l'Irlande. J'espère, mais après, pour parler au niveau défensivement, on sait que Damien Penaud, c'est très compliqué. Hein. Après, j'espère qu'il va pas prendre aussi haut contre l'Irlande, parce que ça va pas être la même chose. Et on risque de tomber contre des arbitres qui vont être beaucoup plus appuyés que ça. Il peut y avoir des cartons qui vont sortir. Mais non, Damien Penaud, oui, offensivement, c'est très intéressant, notamment sur cet essai, sur son essai avec Antoine Dupont, Moefana qui est un peu à la baguette. Ouais, offensivement, c'est très puissant et faut qu'il garde tout ça, ses qualités et qu'il bosse un peu au niveau de la défense parce que un joueur de rugby, il faut pas que ça fasse qu'attaquer, faut que ça défende aussi. Voilà. Il a l'engagement défensivement, c'est ça qui est fort. C'est juste que. Il a l'engagement, mais quand tu vois là comment ça se termine, et des fois, c'est pas ouf. Quoi. Oui, tu sais pas, il sait pas prendre aux jambes. C'est-à-dire, lui, il prend le haut du corps. Alors, il s'est dit, je vais le prendre aux épaules, allez, pourquoi pas. C'est ça. J'ai défense de Damien, mais sinon, voilà, le match offensif très intéressant, auteur d'un essai, beaucoup très provocateur, voilà, beaucoup de tentatives aussi dans tous les sens. Donc, un peu de folie, c'est ce qui a manqué aussi à ce 15 de France parfois, Benji.
Ouais, moins de folie que d'habitude. Hein. Ça, c'est vrai que. On a laissé ce 15 de France sur un match face aux All Blacks assez inspiré quand même. On se souvient de quelques actions assez mémorables. On se souvient du départ de Lambute quand même qui est encore dans nos mémoires où on a fait un spectacle incroyable. Aujourd'hui, on n'a pas vu de très très grand spectacle. On a vu quelques déboulés intéressants. Effectivement, on a vu un super déboulé de Penaud à un moment donné qui est très très beau. On a vu Joe Danty qui a fait un match pas très bon mais qui a fait quand même à un moment donné qui a résisté à trois plaquages et qui a failli aller marquer cet essai. Il a moins avancé que d'habitude, j'entends quand Ah même. oui, franchement, physiquement, il n'est pas allé au top aujourd'hui. Hein. Il s'est fait arrêter très rapidement. Mais ouais, on était moins inspirés. Peut-être qu'on attend d'avoir un meilleur adversaire pour retrouver le French Flair. Hein. Enfin, voilà, c'est. Enfin, moi, je me répète par rapport au match de la Géorgie, mais à un moment donné, si les mecs ils arrivent pas à se motiver sur ce type de rencontre, faut pas venir au 15 de France, quoi. Faut rester à la maison et voilà, ne pas jouer au rugby. Certes, le travail est fait. On a pris les 5 points, tant mieux, rien à dire. Par contre, voilà, sur la manière, il y a quand même à redire. Et une nouvelle fois, il y a des comportements qui me déçoivent. Qui me déçoivent parce que jouer un match avec le 15 de France, avoir une sélection, putain, c'est un truc important, quoi. Et quand je vois le petit Moefana arriver et en vouloir, plus que les grands qui sont expérimentés, bah voilà. J'ai une question pour vous dans les titulaires. Qui avait quelque chose à prouver aujourd'hui? Parce que quand t'as pas grand-chose à prouver et que tu joues un adversaire qui tu sais est quand même largement inférieur à toi, On fait le compte. tu vas pas forcément te donner à 100%. Hein. Antonio, Cretin, Woki en 4, il peut avoir approuvé un petit peu aussi. Danty, Jaminet pour moi. Oui, bah Jaminet il a fait à peu près son match. Danty, physiquement, n'était pas au top. Antonio, il a pas fait. Il a fait 5 bonnes premières minutes, Antonio, et après, ça c'est parti un peu en cacahuète. À partir du moment où il a fait sa connerie en mêlée, là. Après, c'était Ouais. fini. Et Mais, oui. Et après, les entrants qui avaient quelque chose à prouver, Moefana et Lucu, pour le coup, eux, ils sont rentrés dans le match. Taofifé Noah, il a fait une très belle entrée aussi. Donc, tu vois, c'est les joueurs qui sont pas forcément titulaires dans cette équipe-là ou qui sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude d'être dans le groupe qui vont essayer d'être au plus haut niveau. Et c'est comme ça qu'il faut les motiver, il faut les mettre sous pression et peut-être leur faire croire que leur place est pas acquise. Voilà. Et moi, je suis pas d'accord avec toi sur le cas de Jaminet que j'aurais mis dans les flops si on avait Ah non, continué. non, moi je ne le mets pas dans les flops ce soir, Jaminet. Moi, je l'aurais mis dans les flops. Qu'est-ce qu'il rate? Il a deux ratés au pied, mais Il a deux qui sont ratés au logiques, pied. hein, ils sont pas simples, hein, Il a c'est deux ratés au pied, il prend pas deux ballons en l'air. Comme Et tout le monde alors, ça, est-ce que ça a porte dit, préjudice ces deux ballons en l'air qu'il il y a prend la pas? surutilisation de son jeu au pied, et pas Oui, mais forcément. son Il a jeu au raison, pied était il bien a raison. plus juste que ses deux autres camarades. Benjamin, il a raison, excuse-moi, s'il y avait eu Thomas Ramos, ce match, on gagne avec 8 essais, il fait des trucs, il met les mains Ah, dans le dos, et hop, là, Brésil. mais de toute façon, Non, mais. Tovigno, on sait très bien que tu l'aimes pas, Jaminet. Il y a Donc un problème avec lui. à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu Reconnais-le, dis? reconnais-le! La Vous France doit le savoir. prenez comme vous le voulez, mais même je trouve des fois sur ses relances, il va un peu tout seul face à 3-4 Italiens. Je sais pas, j'ai pas trouvé qu'il avait fait un super match. Oui, mais Ah, il a pas un il a super fait match. son Il a match. fait son Il a pas match, fait un quoi. super match, mais il a fait son match aujourd'hui. Tant, on se rappelle, il a failli nous obtenir une touche dans le camp adverse en faisant un coup de pied de ses 10 mètres, hein, au bleu. Oui, S'il n'y d'ailleurs, avait pas eu bravo. une faute conne Bravo. de. Bravo, bravo. Oui, il y a une faute conne de Villard, mais bravo à l'Italien pour le super plongeon. Magnifique. Ah, d'accord, je vois que tu parles sur l'action de Gamain Vigna. Bon, sans parler de. Voilà, Martin va prendre la parole, on va l'écouter. Non, moi j'aimerais bien revenir à ce qu'a dit Benji. Je pense qu'il y a tous les joueurs n'ont pas approuvé, mais bon, ça faisait 3 mois quand même qu'ils n'avaient pas joué ensemble. Et même si c'est l'Italie, même si bon, c'est une équipe qui ne sait pas jouer pendant 80 minutes, qui joue tout en première mi-temps et puis après en seconde mi-temps, ça va ou ça vient. Ils avaient quand même, je pense, cœur à retrouver un peu certains automatismes avant vraiment, je vais dire, de commencer la compétition. Pour moi, la compétition, elle démarre à partir de samedi. Parce que l'on joue contre l'Irlande. Après, je sais plus où on va. Je crois qu'on va en Écosse ou je sais pas quoi. Mais là, on joue vraiment les grosses écuries. Donc, il fallait quand même retrouver certains automatismes parce que 3 mois sans jouer ensemble, même si c'est contre l'Italie, il faut quand même retrouver ça. Et puis, heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu les 5 points parce que si on n'avait pas eu les 5 points, je pense que pour après, ça allait être compliqué d'aller chercher plus de points, quoi, parce qu'après, c'est de gros guerriers qu'on a en face après. Ah bah j'ai vu le match d'hier, je peux vous dire qu'affronter l'Angleterre ou l'Écosse, ça n'a pas été une Oui, partie l'Irlande intéressante. aussi, hein. C'est surtout Oh oui, l'Irlande. l'Irlande aussi, bien sûr, j'oublie Surtout pas, et même l'Irlande. le Pays de Galles, vous allez voir que face à nous, ils vont être forts.
Je le répète depuis hier soir, pour moi, le PDL est une équipe de merde. Voilà. Je vais me faire crucifier sur Pilori s'il gagne le Il a tournoi. sorti comme ça, pam. Je pensais déjà en 2021, ils ont gagné un tournoi, je sais pas comment. Il y a des cartes rouges qui sont sorties de nulle part, des issues arbitrales qui ont fait gagner. Je te rejoins. Moi, je te rejoins. Le match contre l'Irlande me fait peur, le match contre l'Angleterre me fait peur, le match contre l'Écosse me fait peur, mais alors le Pays de Galles, même si c'est à Cardiff, j'ai vraiment pas peur. On verra bien, on verra bien. Tu peux perdre, mais sincèrement, si le Pays de Galles ne retrouve pas les Alouin Jones, les joueurs qui ont fait ah non, mais ils vont pas revenir. Cette équipe, bah, excuse-moi, il n'y a plus rien. Quoi. La nouvelle génération, elle n'existe pas. Les relais que sont les je sais pas moi, par exemple. Le Rhys Zamit, alors. Le Liam Williams et tout, ils sont pas au niveau. Donc il y a beaucoup de Rhys Zamit. C'est horrible. Ouais, mais Rhys Zamit, il a perdu une cheville à l'entraînement hier. Avant le match. Bah, tant mieux pour eux, hein, parce que vu le match qu'il fait contre l'Irlande, il va pas leur être très utile. Hein. Ouais, ouais, enfin bon. Attention, ouais, je pense qu'ils sont vraiment dangereux, ces équipes. Le Pays de Galles, c'est la pire équipe, je pense qu'on est d'accord, c'est la pire équipe de cette première journée. Même pour moi, l'Italie fait un meilleur match que. Moi, je l'ai dit dans le prono et dans. Quand s'appelle notre émission qu'on a fait avant le tournoi, j'ai mis une victoire de l'Italie contre le Pays de Galles. Écoutez, moi j'y crois toujours, tant que ce n'est pas arrivé, ça peut. Tu vas poser combien, 50 balles l'Italie. Voilà, tu vas voir l'Italie, ils vont mener 20-10 à la mi-temps, ça va faire un 35-20 pour le Pays de Galles en seconde période. Pose-y 50 balles, Baptiste, si t'es sûr. Comme ça, tu deviens riche. J'en mettrai 5 pour toi. Bon. Ah, mais Benji allez, ils gagneront 35-20 en deuxième sur un double carton rouge italien à la 48e. Ah bah oui, mais après, c'est la faute des Italiens s'ils font n'importe quoi sur le terrain, c'est pas de la mienne. Hein. D'ailleurs, Mathieu, on est en train de parler de l'Italie. Juste moi, un nom que j'ai découvert et qui m'a surpris, c'est Fischetti, qui était déjà, je crois, à 10 plaquages à bout d'une demi-heure pour un pilier. J'ai rarement vu ça. Un attelage défensif, il était partout, ce joueur. Alors, il n'a pas tenu non plus sur la longueur, évidemment. Mais je suis content de voir cette nouvelle génération italienne, justement, emmenée par Garbisi, celui qu'on connaît peut-être le plus, mais il y a des très bons joueurs à toutes les lignes. Donc, l'avenir ne sera pas radieux, mais l'avenir sera plus intéressant pour l'Italie. De qui tu parles? De Fischetti, le premier. Ah, le pied gauche. Tout à fait. Ouais. Bah, c'est pour ça aussi. C'est quoi cet accent, là? Pas de safe. Je ne sais pas. Antonio n'a pas été bon, mais il a eu un vis-à-vis qui lui a bien rentré dedans aussi. Tout à fait. Pilier sympathique, ce Fischetti. Vous avez d'autres joueurs comme ça en top ou pas, messieurs? En top ouais, moi j'en ai. Oui, que Antoine en avait parlé d'ailleurs. Bah, Limoncello, ça me fait plaisir parce que c'est un Toulousain. Enfin, ils sont récompensés. Franchement, Siriba, comme il dit, j'ai adoré quoi, parce que c'est le seul qui ne s'est pas dégarni, qui fait même des schistera maintenant. Bientôt, contre l'Irlande, il va nous mettre un drop, j'espère. Donc, ça sera. La cerise sur le gâteau, pourquoi pas, hein. Et puis non, franchement, j'ai bien aimé l'activité de Siriba aujourd'hui, ouais. Que ce soit dans la mêlée, dans les rucks, dans l'avancée, il a été là. Donc je suis d'accord avec Antoine sur ça. Ah oui, très fort. Ça a été le meilleur pilier de tous les quatre qui ont joué. Donc même ouais, ça a été le meilleur. Ouais, même devant, c'était vraiment l'un des hommes forts de l'équipe de France, hein, globalement. LMC aussi, il a été discret, mais très efficace aujourd'hui aussi. Ouais. Important, LMC, oui. Mais bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis 2 ans, c'est pas le sûrement pas le meilleur, tu vois, il y a Dupont tout ça, mais c'est le plus régulier, je trouve, en équipe. Ouais. Bah, il est rarement mauvais, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Je sais plus qui disait dans le chat tout à l'heure, c'est vrai qu'il fait pas un super match, je crois, contre l'Italie l'année dernière. Mais c'est peut-être le seul match où tu vois, il est même pas mauvais, il est neutre. Ouais, j'ai pas trop souvenir de Cyril Bay qui passe à côté. Bon, ça a dû arriver, hein, on va pas non plus. On a un souci. Enfin, il faudrait qu'Antonio se réveille, mais on a un souci à droite. Parce que je trouve que... Et Momo Awas, du coup, vu qu'il est en sursis, il peut revenir. Même pas en cours, il peut jouer. Il est pas blessé, Awas. Non, mais il est nul. Il joue à Fleury là, en ce moment. Non, non, il a pris du sursis, donc il peut revenir avec le groupe. Il est transféré de Fleury à l'équipe de France. Direct. Hey, j'ai une question. Demba Bamba, il a juste trop d'envie ou il est con? Oh. C'est pas le joueur de rugby. Il est stressé au stade de France. Je pense que c'est son bandeau. Il n'était pas droit dès le départ, donc du coup, il pouvait pas jouer. Il joue chez lui. Il est stressé. Mais c'est dommage parce que ça peut être un impact player, les amis. C'est ça. Tu sens qu'il a envie de bien faire. Il est sur le terrain, tu vois, quand il fait ses fautes, il s'excuse et tout ça. Mais au bout d'un moment, quand t'es rentré depuis 4 minutes, t'en as fait 6 de fautes. Arrête de t'excuser et juste arrête de faire des fautes, mec.
Enfin, je sais pas. C'est pas un rugbyman à la base. C'est un mec qui faisait du handball, qui s'est retrouvé un petit peu là par hasard. Ça sent qu'il connaît pas toutes les règles, qu'il maîtrise pas complètement ce sport. Du handball à 150 kilos, le bord. C'est tellement dommage parce que je pense que c'est ce qu'on appelle un freak, c'est un phénomène physique. J'ai encore en tête son essai avec le loup où genre il met un 4 deb à 20 mètres de ligne d'en but et il part mettre un adversaire, il va partir tranquillement comme si c'était un 3/4. C'est un joueur extraordinaire, mais malheureusement il ne maîtrise pas encore tous les codes du rugby, et c'est pour ça qu'il est remplaçant d'ailleurs, parce que Wayne Tony aujourd'hui, mais c'est surtout ça peut être un impact player de folie parce qu'il a un physique de ouf, il a des qualités individuelles, c'est incroyable, genre il est méga rapide, il est méga puissant. Franchement, c'est dommage que de temps en temps il fait des erreurs, et aujourd'hui il n'est pas rentré forcément dans Il n'est pas endurant, par contre. C'est pour ça que 20 minutes. Il perd en lucidité rapidement aussi. Hein. C'est pour ça que 20 minutes, bon, tu vois, ça passe. Ça suffit, ça suffit. Tu fais rentrer normalement un Kamisha et un Demba Bamba, la fin de match, normalement, tu exploses des lignes. Hein. Kamisha, il est numéro 4 dans la hiérarchie. Hein. Bah écoute, vu la prestation de Movaka, est-ce qu'il faudrait pas y réfléchir? Tout le monde répondait. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Elle est impressionnante, la prestation de Movaka aujourd'hui. Je dirais rien. Il a raté 20 minutes, Benjamin, on va pas non plus. Pas le terminer non plus, le pauvre Maka qui nous met une tournée extraordinaire. Ah, j'avoue que la tournée de novembre, c'était assez incroyable. Ouais. Laisse-le tranquille. Allez, mémoire. Laisse-le tranquille. 5 essais. On les a encore en tête. C'était qui le pilier droit en Australie? C'était Bamba? Non, c'était Oum Patin. Ah, Oum Patin. Ah bah lui, on va le faire venir, on va prendre des petites pénalités à ça. Oui, comme ça, tu prends des cartons rouges au bout de 15 minutes, t'as raison. Il n'y avait pas un jeune... Je veux les pénalités à la main, 5 mètres de leur but, les amis. Allez, bam. Il n'y avait pas un jeune Clermontois de 22-23 ans. Tu ne comprends pas Paiva? Ah si, Paiva, oui. Falata ou Faleta, un truc comme ça, non? Non. Il y avait ce mec-là aussi, mais lui, il était catastrophique. Ah, oh, dur. On n'a pas revu. Mais... Il est sympa ce poste de pilier droit, j'ai l'impression que c'est le poste de latéral droit en équipe de France de foot. Moi j'ai une question pour vous. Vous avez un avis sur Jean-Baptiste Gros? Moi je l'ai juste vu transpirer, mais il est jamais non plus extrêmement bon. Je pense qu'il est neutre ce joueur. C'est comme son équipe, et comme son équipe de Toulon, ils sont neutres. Hein. Ah bah non, ils sont nuls Toulon, c'est pas différent. Ils ont dépassé le terme de neutre. Ils sont les plus loin. Au niveau des salaires, c'est l'équipe qui paye le plus, il me semble, en France quand même. Ah, ils sont quand même 13e. Ah, mais continuez sur ce rythme, c'est bien. Ah, il paye, c'est UBB. C'est comment il s'appelle le petit de Clermont, messieurs? Kélig doit l'avoir, c'est sûr et certain. Kélig, dans le chat. Mais c'est un pilier gauche, je crois, c'est pas un pilier droit. Ah, le nom m'échappe. C'est Bibi, non? Bibi Bouzou? Un truc comme ça? Bon, vous me trouverez ça. Bref, ça a commencé depuis longtemps. Ça, ouais. Oui, depuis une heure, mon cher Paul. N'hésite pas à remettre le live depuis le début si on peut aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Ou alors d'attendre la fin pour voir le replay et mettre un petit commentaire après. En gros, il fait le taf, rien de plus, un petit peu ça. Oui, Bibi, bah, il fait le taf. Voilà, ouais, j'avais raison. Écoutez, merci à Solo et Paul. Ah, Bibizu. Bibi, on l'appelle Bibi, hein. Ah, Bibi, ouais. Et du coup, vous mettriez, ce serait quoi votre 15 samedi prochain? Ah, le 15 de la semaine prochaine. Ah, le fameux. Qui veut commencer, messieurs? Et Momo Awa, s'il n'y a aucun moyen qu'il revienne? Je sais pas. Mais il n'a pas joué en plus, je crois, avec Montpellier récemment. C'est un peu compliqué. Momo Awa, il est en train de faire un scrap avec Benjamin Mendy. Mais non, Momo Awa, il a pris du sursis. Benjamin Mendy, il mérite. Momo Awa, il a pris du sursis, ce que je te dis. Il est pas sorti là. Il mérite Momo, laisse-le tranquille. Liberté pour Momo, putain. Non, vas-y, je vais peut-être commencer, moi, du coup. Bon, pour un petit on fait ligne par ligne. Vas-y, on fait chacun sa première ligne. Bon, première ligne, moi, Cyril Bay, Marchand, Antonio, pour moi, ça reste, c'est logique, je pense. Benji? Ouais, ça part sur... Non, allez, je mettrais bien Demba Bamba, allez, pour le plaisir. Un peu de folie. Je vais te suivre, Baptiste, moi, j'y touche pas, je mets la même. Bay, Marchand, Antonio. Pareil. Moi, je touche pas non plus. Ah bah ouais, ça jouait hier, me dit Léo. Donc peut-être qu'on aura un retour de Momo alors. Momo. Il avait pas la bouche en sang, Momo, non? Il avait pas la bouche en sang. Ouais, c'est plutôt lui qui met la bouche en sang aux autres. Ah, mais okay. si Momo est là, moi je mets Awas, hein, pour le coup. Momo, faut pas que tu joues en Écosse. Hein. Non, Momo, il reste à la maison en Écosse. On ne voit pas. Attends, il a plus le droit de territoire en Écosse. Hein. Il est interdit. Hein. Bon, allez, on enchaîne avec la seconde ligne, messieurs.
Ah, la seconde ligne, j'y touche. Et je laisse Willem C en 5, mais en 4, je fais rentrer Tao Fifinois. Oh. Bon, non, non. Non, moi, carton je fais rouge au bout de la Chino, cinquième minute. Non, c'est ma compo. Ça oh, cette être, gueule, ça peut être ta compo ou elle peut être mauvaise pour le coup aussi, mon cher Dominique. Oui. Non, mais laisse-le, s'il veut prendre un rouge à la bout de la cinquième minute, laisse-le. Tao, c'est en remplaçant de William C. Ou alors en titulaire à la place de William C. Mais en 4, il nous faut un Flamand ou un Bernard Leroux. Moi, je mets Leroux et. Ouais, mais Leroux est dans... Attends, mais Leroux est dans le groupe ? Bon, il va revenir. Il est 40, là, il traîne. Ah, il fait partie des 73 ? Ouais, dans des 95. 23, là, ils font... il y a trop de joueurs dans la liste, là, donc on peut piocher. Donc, Attendez, il faut un match exhibition contre Colomiers demain. Il y a un truc, je sais pas. Non, toutes les semaines, ils font un petit tournoi, en fait, inter-équipe, et ils se retrouvent à Paris. Je trouve qu'il y a un truc de Sevens la semaine prochaine, ils envoient des mecs un peu. Bah, si t'envoies l'Euro au Sevens. C'est compliqué quand même la journée. Ne t'inquiète pas que le roux, il va être très performant. Allez, du coup, ouais, plutôt le roux pour Benji Xema. Martin, t'en penses quoi? Pareil, je mets le roux et Willem C. D'accord, très bien. On voit qu'il y a du Woki. Ça s'est divisé dans le chat. Hein. On voit Flamand, Woki. Voilà, c'est peut-être le roux aussi en deuxième ligne. Bon, à voir. Et du coup, et forcément, si on met... Mina, allez, pars, allez, décadence-toi. Pourquoi t'invoques des noms interdits comme ça sur cette chaîne? Tu sais très bien qu'on ne peut pas parler de Sébastien Lamina. C'est devenu un ennemi de la nation. Là. Ah non, mais c'est pas possible, Sébastien Lamina. On l'a encore là, Sébastien. Tout comme monsieur. Comment il s'appelle déjà? Pepper. Jacob Pepper. Jacob Pepper. Sa fameuse célébration. Il nous arbitra contre l'Angleterre pour le dernier match. Ouais, super match, ouais. On a d'y être. Troisième ligne. C'est Brice. Troisième ligne. Aldrit en 8 pour moi. Je longe en 6, ça reste. Et je mettrai du coup peut-être Woki en 7. Pareil. Bah écoute, je te suis, hein, c'est pareil. Ouais. Pareil, totalement. Merci, messieurs. Je suis content. Ouais, aussi, c'est bien. On a c'est solide. C'est un beau groupe de commentateurs ici, ça fait plaisir. Ça. Le groupe vit bien. Même si c'est Evasio Tuofua qui est le meilleur 8 du monde. Non, il faut arrêter avec cette légende, vraiment. Bien sûr. Il faut complètement arrêter de prendre de la drogue. Et il faut reconnaître que non, c'est réel. Tuofua n'a même pas sa place en équipe U1, hein, soyons un petit peu honnêtes. Allez, on enchaîne rapidement. Pour du con, qu'est-ce qu'il est dur. Avec. La charnière, messieurs, dames. Dupont, je la libère pour moi. Non, je rigole, Dupont, je la libère. Mais j'espère que... Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Second blessé. Oh mon Dieu. Berdeux même. Moi, je pense qu'on est... Léo Berdeux est très bon, attention. Non, c'est très bon. Je mettrai un Bah comme Astoy et Lucu, hein, ils sont très bons aussi d'ailleurs. Second, il est blessé, mais il aurait joué sinon, parce qu'on a besoin de son jeu au pied fantastique. Ah bah on aurait perdu, hein, de large alors. Pite, hein, il a pas de jeu lui. Tu vas voir ce qu'il va faire face au Stade français. Je vais pas contredire Martin, je pense comme lui. Hein, donc, pas... En vrai, Ntamack est en 9, Dupont s'il est en forme. Non, mais ça va être Dupont de toute façon. Ça va être Dupont, c'est lui le capitaine de la tournée. Ils jouent gros les deux du point de Tamac pour moi sur ce match. Là, pour le coup, ce match il va être très important pour eux. Parce que c'est et Jalibert, il est où? Il est toujours blessé. Qu'est-ce qu'il a bah, Jalibert, il revient de blessure à peine. Je pense qu'il sera sur le banc et qu'il va rentrer en fin de match. Ouais. Il est important pour Dupont. Je rappelle que Ntamack a obtenu l'immunité nationale pour environ 8 ans après son match contre la Nouvelle-Zélande. Ouais, mais il faudrait qu'il redescende sur terre quand même parce qu'il va se faire bouger. Hein. Tu vois, même les Toulousains, ils le disent, Ntamack. Faut redescendre là. Allez. Merci bon, il ne faut pas aller trop loin non plus, MNJ. Il est bon quand même. Il ne faut pas en profiter. Oh, je n'en profite pas. Hein, Moi, je sors. Mais et pourquoi pas Antoine Gibert, les amis? Moi, je pense qu'Antoine Gibert, charnière contre l'Irlande. Très bon en numéro 9, d'ailleurs, Antoine Gibert. Ah, très bon en numéro 9, oui. Ça, c'est... Ouais. Il peut jouer les deux postes. Il est bon en troisième mi-temps, Antoine Gibert, ou pas? Ah, très très je bon aussi. C'est... Ouf. Solide. Ah, c'est un joueur complet. Hein. Avoir complet. Moi, j'étais bon qu'en troisième mi-temps, malheureusement. C'est le seul moment où j'assure. Vraiment à ça de la carrière, quoi. Bah, à demi-temps près, hein. T'as vu ce qu'on rate quand même? Les portes de l'équipe de France qui se referment sur le petit rugby X, quel dommage. Ouais, je sors d'Anti au centre. D'accord. Raciste. Non, mais c'est Vakatawa à la place. Je vais rentrer Vakatawa. C'est vrai. Tu m'aurais mis un centre un peu. C'est Brice du Nord, centre. Bizarre. Non, mais Vakatawa Fiku, même si, vu ses 15 minutes sur son entrée, Moefana, ça m'intrigue un peu de le voir. Un peu.
Ah, j'aime bien, moi, mon fan. Mais trop jeune pour moi et trop inexpérimenté pour débuter contre l'Irlande. Fakatawa, il était même pas dans le groupe ce week-end. Si, il était dans le groupe. Ouais. Pas dans le groupe ce week-end, mais il a fait tu sais, le camp d'entraînement avec les Bleus, je crois, le truc militaire, là, avec la Légion. Et il s'est blessé, non? Non, il me semble qu'il a juste été sorti parce que le coach lui fait plus confiance aujourd'hui à Moefana et Danti parce que le niveau réel de Fakatawa, il y en a qui disent que c'est du 60-70% de ce qu'il peut proposer normalement. C'est un joueur qui n'est pas revenu très bien de ses nombreuses blessures. Donc à revoir, je pense, le cas Fakatawa. Mais on a besoin d'un mec comme lui à son meilleur niveau hein, parce qu'il est tellement fort. Il me manque, tu me manques. Je pense à Arthur aussi. Hein, c'est un joueur du Racing en plus, donc c'est quand même chelou. Hein, mais bon. On dira rien. Allez, on va peut-être enchaîner. Les ailiers, on touche pas. Ah, les ailiers, on bouge pas, et l'arrière, on touche pas. Attends, qu'est-ce que tu penses de Teddy Thomas titulaire, toi? Avec les ballons irlandais. Ouais. C'est une bonne idée, et, ça. Et les plaquages aussi, ouais, t'as raison. Mais pourquoi pas Mathis Lebel, d'ailleurs hein? Vous en pensez quoi? Lebel, ouais. Non, j'avais pensé aussi, je voulais avoir votre avis, Alexis Balès en numéro 9 à la place de Dupont. Et Palisson, il est où du coup? On peut le faire jouer peut-être ce week-end? Écoute, tu n'as pas le droit de toucher aux joueurs qui ont joué la Coupe du Monde 2011, Benjamin. Tu n'as pas le droit. Oh putain. Interdit. Oh, putain. Non, mais le pire, c'est que je l'adorais ce joueur. Mais franchement, tu veux pas rappeler Guirado non plus? Il y avait deux de poche, il y avait Palisson, il y en avait un autre sur les mêmes années. Comment il s'appelait? Vincent Clair, il s'appelait. Non. Cédric Emmons? Oh putain. Joueur de poche, Cédric Emmons. C'est un peu joueur de poche. Il faut une grande poche hein, pour ça. On l'embrasse. On a mal le prendre celle-là. Bref. Esteban Yelz, je ne sais pas. Non, mais écoute, franchement, de Batty, le choix de l'arrière, mais c'est que c'est Scott Spedding. Jean-Baptiste Poux. Scott Spedding à l'arrière, je pense que c'est l'avenir. Ah non, là, c'est cauchemar. Oh, ça, c'est dur. Scott Spedding à l'arrière. Non, plus sérieusement, vous mettez qui vous? Bah, moi je voulais laisser les trois même hein, pour le coup sur les ailes à l'arrière. Oh, Box 6. Pas Box 6, s'il te plaît, ça suffit. Qui se rappelle du match l'Angleterre où on mène de 4 points et on récupère le ballon et il ne trouve pas la touche. Il s'était pas claqué à ce moment-là. Il se claque bien sûr. Et après il va dire mais attends, j'ai une déchirure derrière, là c'est pour ça que j'ai raté le tir. Ouais. Putain, quelle âme. Il est où maintenant? Il est au Yonax? Il est où, Oxys? Au Yonax, s'il te plaît. On respecte un peu les noms des gens. Je ne sais rien. Clubs, des gens, en fait. On fait un effort, Benjamin. Mais du tien. Au Yonax. Non, sur Box 6, non. Mais plus sérieusement, moi, je mettrais peut-être du lin hein, à l'arrière. À l'arrière un... Oh non, mais je garde Jamil. Les ballons chauds qu'on va avoir, notamment les chandelles, où il avait été très précieux l'année dernière contre l'Irlande, Brice Dulin. Vu sa forme actuelle, peut-être que je lui referais confiance. Ouais. Pourquoi il est si bon que ça avec La Rochelle? J'ai pas regardé tout le Il est pas mauvais avec La Rochelle. Hein. Il est bien revenu, je trouve. Moi, quand perso, je l'aurais fait jouer contre l'Italie, Dulin, si tu veux le faire jouer contre l'Irlande. Je pense qu'il aurait pris un peu de rythme. Perso. Okay. Donc, plutôt de toute façon, mettez-vous dans la tête de Galtier, il va laisser les trois mêmes. Hein. À part s'il y en a un qui se blesse. Belle référence, Tony Marche. 2003, on n'oublie pas. Grosse Coupe du Monde. Ok, donc tout le monde Jaminet? Tovigno? Ouais. Oui, non, Tovigno, c'est Thomas Ramos à l'arrière. On le connaît, ça suffit. Je suis surpris qu'on n'ait pas parlé de Thomas Ramos encore beaucoup. Quelle entrée exceptionnelle. Quel joueur. Je suis, à chaque fois que je le vois jouer, je suis. Bien sûr. Je suis halluciné par le talent. Mais donc, merci. C'est Thomas qui ne soit pas titulaire dans cette équipe de France, Thomas Ramos. Est-ce que j'ai une question? Thomas n'est pas anti finalement toulousain. Hein. C'est peut-être le débat. Oui, si, bien sûr. Bah attends, le joueur de Colomiers, tu penses quoi? Bien sûr qu'il est anti-toulousain. Merci de le dire, merci de le dire. Je n'ai pas osé, t'as pris la parole. C'est un Parisien, hein, après, Galtier, m'étonne. Ouais, ok. Parisien de Colomiers, quoi, donc voilà. Parisien d'accent, quoi. Boutier est-il encore vivant? Oui, ça va bien pour Boutier. Je vous dis, c'est à Montpellier, donc il se met bien, hein, il tente des trucs. C'est plutôt fun, a priori, pour Boutier. Voilà, mais une question pour le chat, peut-être. Est-ce que vous mettez plutôt Dulin ou Jaminet, messieurs, dames? Faites-moi savoir, je vois que pour Morgan, Jaminet est le 15 de Galtier, très bien. Il y a du Ramos qui va tomber, vous pensez, dans le chat? Écoute, c'est un public sérieux quand même qu'on a dans le chat. Je pense pas qu'ils vont dire n'importe quoi. Hein. Allez, mettez Ramos s'il vous plaît, juste pour faire chier dans la main. Bref, sinon, 1 minute 9 d'émission. 1h09, pardon, j'ai dit 1 minute. C'est 1h09. 1 minute, pas mal. 1 minute 9, on a été rapide. Hein. C'est synthétique aujourd'hui. Hein. Ouais, 50 pouces bleus, messieurs, dames. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Bienvenue dans la Team Club Sportif. N'oubliez pas de le faire si vous l'avez pas encore fait. On s'avance vers la fin de l'émission et on se retrouvera bien sûr pour parler rugby samedi prochain. On a quand même
un petit France-Irlande à débriefer vers 20h, il me semble, samedi prochain. Mais aussi des matchs qu'on commente en direct. On commente tous les matchs du 6 Nations. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous faire un petit coucou, discuter avec nous, débattre. Parce qu'on a plus de temps pour débattre généralement, vu qu'on est seul ou à deux sur un commentary. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur les commentaries. Et puis à refaire le match aussi en commentaire. Pas dans ces commentaires-là, mais à la fin du live. Vous mettez vos commentaires en dessous de la vidéo, histoire qu'on puisse débattre entre nous. Je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à envoyer un maximum de dingueries. Tandis que je vois beaucoup de Jaminet, hein, a priori, pour Paul, pour Cristallin, pour tout le monde. Voilà, voilà. Et second, évidemment, en 15 pour Kelly, hein, on connaît son amour pour le pied droit du meilleur buteur en activité français. Ouais, vas-y. Avant le France-Irlande, il y a pour les parieurs, il y a un petit pays de Galles-Écosse. La cote de l'Écosse est à 2-10 foncé. C'est au millénaire. 2-10. Ah, c'est pas mal, ça. 2-10 l'Écosse. Foncé dessus. Tu vas la jouer, Tomignon ? Bien sûr. Ouais. Il était sur Winamax, Martin. Non, je regarde la cote du Stade français contre le Stade toulousain. Je pense que je vais la jouer, même si elle a 10, je la joue. Elle a 10, on n'en sait rien. Non, je rigole. Je tiens à le préciser. Avec amitié et fair play, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On te connaît. Vu comme on a maltraité le Loup hier, et le Loup qui est une très bonne équipe, attention, les soldats roses ne sont pas encore morts, messieurs, dames. Mal barré. Et Barrett aussi. On parlera bien sûr de Barrett, c'est un autre moment, Benjamin. Tous les deux écoute, vu le chaos que c'est dans ce club actuellement, il vaut mieux qu'on n'en parle pas parce que je risque de m'énerver. Donc c'est... Voilà. Il joue ce soir le BO, non ? Oui, on joue ce soir parce que le match de l'UBB a été reporté. Voilà, voilà. Ah, je vais regarder ce match alors. Pas moi. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Pourquoi ? Tout le monde se branche sur la plus grande compétition de sport. Bah, bien sûr, qui va être en direct sur la chaîne. C'est vrai. Les JO d'hiver avec la finale homme, bien hein, sûr. Du saut à ski sur le grand avec tremplin. Avec de la fausse neige aussi, il faut le dire. Il y a une discipline que j'adore, c'est le skeleton, ou un truc comme ça. Skeleton, c'est un joueur de rugby. Skeleton, c'est un joueur de La Rochelle, effectivement. C'est pareil, c'est aussi drôle à voir. C'est très drôle à voir. Bon, allez, messieurs. Allez le Sénégal. Faut battre l'Égypte là. Très bonne soirée, merci à tous et je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour le rugby, mais sinon restez connectés puisqu'il y aura du foot très très vite sur la chaîne, peut-être même dans. Et les JO d'hiver, vous inquiétez pas. Les JO d'hiver, c'est complètement non parce qu'on les boycotte. Le combiné, Écosse-France. Le combiné nordique, exactement. T'as raison. Très important. Voilà, juste je conclurai sur ces mots. Je pense que les Jeux Olympiques d'hiver c'est une fraude complète puisque ce sont des sports pour riches. Et c'est pas l'esprit universel des Jeux Olympiques, donc voilà, je dis non aux Jeux Olympiques d'hiver et non. Parce que c'est avec de la fausse neige et du faux vent aussi. Voilà, ouais. Mais je dis oui à Minet et non à Ramos. À la prochaine, messieurs dames. Ciao.